Esclavio, c'était bien meuble. Et pas qu'à décider pour tête, yo. T'es qu'on fait ça ou là avec yo, un esclave, c'était un peu un bête. Parce que yo t'es mené yo, et fait n'importe qui bagaille, hors de volonté yo. C'est ça, et que mettre la hausse après, c'est expliqué nous dans la dernière émission, puisque on a parlé de Esclavio, qui c'est yo dans un groupe, ou bien c'est groupe qui était plus maltraité, c'est malgré celui qui était force et colonie sur le plan économique, mais ça n'a pas empêché que groupe Silla, les pas de jouir de aucun privilège. Je dis, hein, mesdames, messieurs, chers téléspectatrices et téléspectateurs, nous y avec nous sur le plateau Zone Kalalou, Maître Larousse, Lucien. Yo l'autre fois, pour nous continuer à parler de l'histoire, pour nous continuer à faire Zone Kalalou. Maître Larousse, nous pas comme qui expression nous avons utilisé pour nous dire qui j'en nous content. Gagnons, yo l'autre fois, sur le plateau, hein, pour nous continuer à parler de l'histoire. Et dans le même sentiment, ça, je vous salue tout et puis je vous souhaite une bienvenue dans l'émission Zone Kalalou. Très bien. Dans la dernière émission, j'aimerais vous dire ça, nous avons parlé de Esclavio. Et est-ce qu'on a fait un rappel pour les téléspectateurs de groupe Mounsayo qui est sur en réalité avant que nous entrions dans cause pour nous permettre que nous comprenions beaucoup plus de objectifs, pas même objectifs, de mouvements que le groupe Mounsayo même a mené. Bon, Esclavio, pour la plupart, et en pile dans yo, c'était surtout passé par la question de traitement. Sorti en Afrique, puis yo vini, rentré dans la colonie. Hein. Et Esclavio, les arrivés, yo te divisé. Yo te divisé en trois groupes. Esclaves des champs, esclaves domestiques et esclaves à talent. Et j'en saute annoncé là, code noir, là, t'es ouais dans esclaves. Là, ça a eu et on bien meuble. C'est-à-dire, les gens qui possèdent un esclave, c'est comme si son cheval ou bœuf que vous possédez. Et donc, c'est comme ça, pas de être qui était plus malheureux qu'un esclave. Parce que, comme esclave, vous même témoigné, pas aucune bête sur la terre qui était subi autant de tort, autant d'injustice, autant de souffrance que ça a été l'esclave. Là. Parce que, en fait, si vous êtes affranchi, vous ne pouvez pas être considéré comme personne. Bon, esclave là, c'est comme si son être cap respirer, hein, qui a fait mouvement, et en fait, et qui était sous sort blanc, qui était pour la plupart très, très criminel, très cruel. Bon, logiquement, il y a un monde ou bien un groupe monde qui a connu tout le monde, et même là, il y a un peu de moyens pour sortir de tête. Et de situation ça mais yo gen dans l'esprit yo y a ma connait l'idée pour ta route comme on va ça et ça va venir arriver après tant de souffrance tant de misère et esclavio ta va révolter c'est ça mais qui ça qui peut-être moins expliquer ça mais avec plus de d'expression plus de thèmes qui ça qui te fait que esclavio en réalité était révolté bon Esclavio, et en fait, c'est un dans régime Saint-Domingue d'abord. C'est un dans régime Saint-Domingue qui a gagné trois systèmes. Et si vous songez, nous avons dit que le système colonial a pesé planteur à blanc, et bien plus planteur à blanc a frappé par le système colonial, c'est plus tout, il peut frapper Esclavio. Donc, mon premier bail, malgré ou pas de viser Esclavio, alors que Esclavio est victime de lui. Pas colonial là t'es visé météo propriétaire mais autant que propriétaire a exploité par le pacte colonial autant il va le fait esclave au travail c'est comme si on était capable de dire premier problème qui va gagner c'est que pendant la France a fait et vient avec pacte colonial a exploité propriétaire en même temps code noir là mandé mettre là pour y protéger un petit peu esclave là faire bah esclave là en temps pour alors que monsieur dit ah bon si c'est Jean pas colonial là et là gien maître qui pas dans faire repos batès ça fait travail net donc et yon nan c'est ça parce que qu'on y a il besoin plus produit puisque la France a payé fait la part du lion donc si ça qui avait été planté à blanc donc il obligé pas qu'à nan gien dedans donc ça est-ce qu'on va pas le subir d'abord pas colonial là pour beaucoup système colonial là qui était visé météo eh bien en premier poids a tombé sous esclave on garde encore et si n'a regardé système esclavagiste là même et c'est là toute misère
l'aime du système esclavagiste, ça même pas oublié. Affranchi, t'es gagné comme porte de sortie, parce que côté blanc, humilié, yo même ça a été pris comme zam avant que. Et puis, il y avait goût même pour l'égalité. Mm-hmm. Mais pendant qu'on parle de l'égalité, bon, les Américains qu'on utilise en ville, c'est production. Comme si, à force de grand propriétaire, plus de gens ont fait ça, et mais c'est plus qu'il a mobilisé pour faire richesse. Parce que yeah. Qu'on est richesse là, son réponse tout à blanc. Donc, plus le système ségrégatif va frapper à franchi, ok, et mais c'est plus sûr à faire ça dans le travail, parce qu'il y a besoin plus bien pour contrecarrer blanc. Ok, donc mon autre réalité qui va directement et viser esclave blanc et puis esclave blanc va le frapper. Et troisième chose, esclave lui-même, c'est le système esclavagiste là. Côté un système qui va faire esclave blanc avec mal, c'est bête. Un système qui va considérer esclave blanc comme rien. Un système qui va blanc en droit de vie et de mort. Un système côté, il va mettre esclaves là sous surveillance stricte, parce que les blancs vont là, tellement de gens sont esclaves. C'est comme si tu combats psychologique, bon peur même, les esclaves. Tu es donc, esclave là lui-même, dans la surveillance, il y a une grosse pression. Il y a un esclave qui fait tentative de sauver, de couper une jambe. Il y a un esclave qui a une deuxième fois à couper l'autre jambe. Et il y a un esclave qui a des problèmes tout le temps dans la colonie, qui fait plusieurs, commettre une infraction plusieurs fois. Le temps est esclave avec R, dit que récidiviste. Esclave récidiviste, côté il passe, tout mettre, côté il passe, tout mettre à des pression. Esclaves, ça par contre, côté de l'école. Donc, imaginez, esclaves là travaillent toute journée, parfois, ils font le travail, même langue même, esclaves là pas bien manger, esclaves là pas bien entretenu, des maladies qui tombent sous habitation, tuent esclaves là, pas de soins, pas rien du tout. Puisque, il y a grand pile maître qui était très négligent, qui était très cruel, très méchant, blanc, qu'on y va là, qu'on fait esclaves là, quand on met qu'on décore. On vient à l'esclave pas, on vient à port, on vient au moment jusqu'à ce qu'on tue l'homme. Et puis après, on parle de gros corps, après, on prend l'argent. Mon situation esclave au quotidien. Imagine l'esclave lui-même, et il était dans une position pour ne pas sauver. Si il sauvait, on va arriver qui s'accapte en lui. Donc, l'esclave là, du côté, même il était bien dans la colonie, puis il était vraiment respiré, puis il était senti à l'aise. Et c'est ça que fait l'esclave. En plus, on va le faire sentir et on va réagir brutalement pour montrer blanc que on pas accepter condition malhonnête ça que on vive en plein temps, ok, et c'est pour ça que ça vient pour déclencher plusieurs déclencher mouvements en d'accord. Maître Laos Le Sien, il y a un historien qui rapportait que il y a un maître qui même qu'on causait des trous pour entrer esclave qui était peut-être seulement vu des sirops sur sous tête et puis exposé au là et fourmi après manger jusqu'à ce que mourir. Oui, mettre pas rien comme souffrance. Donc son et déshumanisation est totale. Et gain mettre tout qui qu'on mari esclave là l'homme chaque jour et puis après et demain et puis on fait bête, on fait quatre directions différentes et puis déchirer esclave là. Il y a même rapporté qu'il y a un esclave dans mes dames, il n'a pas couché, il a tué
c'est mon nom passage. Ça, c'est une forme de réaction avec bientôt dans le mouvement esclavage. Parce que tu as plusieurs formes, tu as une forme passive, tu as une active, tu as une bonne et action. N'a pas pour arriver là. Causer, c'est dans lutte active là. Parce que lutte esclavage, il parle divisé en deux. Il y a une lutte passive, il y a une lutte active. Très bien. Okay. Mais entre temps, qui te me dit, moi connais que la France était vraiment mettait des barrières ou bien te prendre des mesures pour empêcher que gon éventuelle révolte bon côté esclave, mais la France comme métropole qui était peut-être senti à n'importe quel moment tu cap gon situation pareille, mais qui ça fait malgré tout esclave t'a pas arrivé révolté? Oui, la France était effectivement prend un paquet de gros décisions pour éviter un chambardement, notamment en révolte des esclaves. Mais malgré tout, il était inévitable. Parce que si vous regardez, il y a une décision la France de prendre, c'est éviter, parce que c'est un principe même, pour pas avoir d'esclaves qui campaient dans l'habitation. Il était pas en précaution. Mais avec l'évolution de la canne, puisque quand on a tellement une importance pour la France est obligée de mettre en plus d'esclaves, accepter bon, mon violation. Que la France lui-même fait parce qu'il vient qu'on bien mal. Et ça, c'est ça. Ça a une répercussion avec permettre que l'esclavio, il a échangé, il a plein un sort, il a une décision, il a plein ensemble. Ça, c'est son premier cas. Deuxième cas, la France est souffrance tellement raide. Oui, la France est fait, il a aligné l'esclavio, il a mis un prêché, si l'esclave là, lui-même, il est docile. Les mourir dans les cimetières, les monter. Bon, pas qu'il y a des bagages à essayer. Il y a un travail psychologique. Mais tout, tout ça, c'est comme si on avait précédé. Souffrance santé tellement dure par mon être humain, finalement, pas d'avoir conscience. C'est si on bien regarde qui ont, et bien c'est souffrance. La France, il y a un qui est ridicule, il y a un qui est tellement cruel. Donc, l'esclavage là, c'est un enfer, un véritable enfer. Donc, ça, même esclavage à payer, ils ont esclaves pas capables de conscience. Ou pas accepter vivre une situation, rester dans une situation comme ça. Et c'est toute souffrance, ça, c'est tout acte de cruauté, ça, c'est toute injustice, ça, que tu fais esclaves là, tout, qui peut être esclaves là, à prendre conscience. Et il va prendre temps pour commencer à faire sentir, ok, désaccordé avec le système que la France a implanté. Très bien. Esclavio dans l'époque ça, et Mathieu a maltraité, et yo même yo bon désir brûlant pour que yo ta sorti tête dans situation ça, mais penser là c'est une, mais poser action c'est deux, parce que là yo connaît Jean Mathieu cruel, et n'importe ces bagaille que Mathieu t'a soupçonné, peut-être yo même yo voulait faire gain des bagailles qui peut-être t'es capable passer. Mais dis-nous, qui ça esclave, yo, yo même bon côté yo te fait pour faire tendre ou pour faire sentir que yo même ça yo là dedans c'est trop et que yo voulait sortir à tout prix dans situation ça. Première réaction, yo, c'est il rentre dans cadre sans te carrer en lutte passive. Mouvement esclave là divisé en deux, il vient lutte passive, il vient lutte active. Lutte passive, on veut dire que moi en décision pour montrer que je ne suis pas d'accord, mais c'est moi qui vais le payer sans me faire. C'est moi une victime. Okay. C'est moi qui fais, mais c'est moi qui frappe. Mais même s'il frappe, mais nous faisons mes salles passer. C'est comme si on. Comme si on a fait une grève de faim. Voilà, c'est exactement ça. Okay. On parle de nous, les victimes n'ont pas mangé le jour. Mais quand même, c'est le grand goût. Mais bon message, les voyages. Commencer dans, on peut pas dire que
côté esclave là lui-même, la suicide déterminé, suicide là c'est pour premier rapport de réaction. Et il était gain infanticide. Côté esclave là lui-même, il tuait petite lui au passage. Parce que l'enfant est d'une esclave, puisque esclave forme, hein, pita, un esclave, c'est une esclave. Les négresses, esclaves, mettons Timono, sont esclaves. Par conséquent, il y a une maman qui préfère tuer pita. Tant pour y aller vivre, même bagarre avec eux. Avortement, sur l'autre forme. Donc, il y a plusieurs formes de lutte. Il y a un monde qui a tué tête. Il y a un monde qui a tué Timono. Il y a un homme qui a fait avortement. C'est depuis l'origine de ça. Tant pour mon enfant, parce que maintenant, il est important. L'esclave là, il fait petit parce que son force est venue. L'esclave là, il va acheter l'esclave bonia. L'esclave là, fait là. L'esclave créole là, il fait là. Donc, ce n'est pas tout l'esclave qui est sorti. Oui, qui est différent de. Alors, c'est là, nous allons entrer là, qui dit. L'esclave qui saute en Afrique. L'esclave, c'est l'esclave créole. C'est ça qui fait sur le territoire. Le blanc de vous fait sur le territoire là, ou il y a une étiquette créole là. Il y a un blanc créole. Il y a un esclave créole. Donc, bon. Paquet d'esclaves qui avaient vu une prenaissance là, qui avaient grossi quantité d'esclaves là, mais depuis la réalité ça, l'esclavage a commencé à réagir. Donc le mouvement esclave là lui-même a commencé à travers des luttes pacifiques. Et pas massives, lutte passive. Hein? Et pacifique, c'est surtout pour la France qui était une lutte au départ pacifique. Mais l'esclavage était surtout commencé avec une forme de lutte qui est les luttes passives. Mais il va pas être là. L'esclave là, après, fait l'autre. Lutte pour le prendre. S'attendait beaucoup plus. Et dans la lutte active là, pour gagner de grands faits historiques tels que le marronnage, tels que Sirouin Guagaïman, tels que révolte générale, etc. Ok, on va faire un gros acte esclave là pour le poser. Et dans l'émission, on va développer un long et un large. Ok, parce que le mouvement des esclaves là, c'est le mouvement qui est plus large et c'est le mouvement qui gagne plus caractère. Qui vraiment de caractère révolutionnaire, contrairement à mouvement planteur blanc, qui a protégé des choses, a franchi à protéger, mais esclave là, il va gagner à protéger, et c'est un véritable mouvement à caractère révolutionnaire. Très bien. Bon terme que évoqué là, qui est intéressant, et nous parlons, et même l'émission presque finie, mais peut-être même sous un petit casse-bagaille de lit, dans la prochaine émission, nous allons pour nous parler de lit et avec plus de détails, question marronnage là, nous va parler de esclavage, nous va parler de colonie et de Saint-Domingue pour ne pas parler de marronnage, ne pas parler de révolution, de révolte si vous voulez, pour nous épanouir et bien et thème cela. En peu de mots et en peu de temps, qui soit qu'à dire nous de marronnage, même le moi je dis l'arrivé, mais quand même dans la prochaine émission, n'agé pour nous parler plus de ça. Marronnage, pour moi, dans la lutte active, là, c'est la première forme réelle, c'est la première grande réaction qui pourrait frapper la colonie. Marronnage, là, il y a plusieurs façons historiennes de définir. Il y a des historiens qui disent que marronnage, là, c'est le fait pour l'esclave quitter le champ de côté de la chambre de travail. Et puis, il quitte, il fait marron, il va travailler. Donc, depuis l'esclave là, dès qu'il quitte l'habitation, il prend un route pour mon nom, il se dit que c'est marronnage. Mais il y a un historien qui parle plus loin, qui dit que là, il y a une définition ça a manqué. Il a préféré dire, parce que ça qui fait le dire manquer, c'est parce que l'esclave là, il doit quitter l'habitation au cours de route, il y a un Québec. Ok. Il y a un marron. Il y a un historien qui parle plus loin, puis il dit marronnage là, c'est là, non seulement l'esclave là quitte l'habitation, mais il vivait dans la tête de mon nom, côté. Pas de quel blanc il a franchi qu'à mettre les pieds. Parce que c'est dans la tête net côté, pas de jardin, pas de aucune habitation. Et vous plantez, c'est comme et dans des lieux inaccessibles. C'est des zones vraiment inaccessibles. Donc, ni blanc, ni affranchi grand propriétaire pour mettre les pieds là. Donc, c'est là, et ça va prendre la fuite. Et l'esclave va arriver qu'on y a un chita dans le monde. Non. Et puis, il dit bon, plusieurs ont fait ça, ils vont arriver ça, le marron. Donc, c'est ça, en fait, et c'est deux définitions, ça, le bail de marronnage. Très bien. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés dans la fin de l'émission. Hein. Pour aujourd'hui, hein, nous ne savons pas comment, et pour nous remercier Maître Laos Lucien qui, de façon claire,
et expliquer nous histoire nous et me penser qu'on y a nous commencer à entrer dans histoire d'Haïti puisque et je dis n'a parlé de nous comme première et république noire c'est ça et faut que nous t'es passé par là ça veut dire nous pas qu'à épanouir ça n'a parlé de lila en tout cas nous dire merci n'a croisé dans l'autre émission que nous continuer parler de histoire d'Haïti pour nous continuer fouiller zo dans Kalalo allez.